Hello tout le monde, c'est Xav03 et c'est parti pour un épisode, enfin un entre-épisode, l'entre-épisode 7 et 8. En fait, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 7, j'avais commencé avec Aurel un petit système derrière ma maison qui permettait de planter du bois automatiquement. Et le but de ce système est de, d'après récolter tout ce bois, de le faire brûler et de récupérer le charbon pour mettre dans des coffres qu'on puisse le prendre nous-mêmes, enfin pour l'utiliser pour ce qu'on veut. Et d'une partie aussi, c'est de pouvoir alimenter automatiquement le Steam Dynamo. Donc, vu que dans l'épisode 8, je le dis déjà, ça fait peut-être un petit spoil, mais bon, je pense pas que c'en est un. Vu qu'on s'est manqué en plus de jouer chacun de son côté, on s'est dit, bon, on va plus encore refaire un épisode chacun de son côté, ça va faire un petit peu beaucoup. Donc, voilà, on a recommencé un épisode tous ensemble, donc on a un petit peu passé à côté de ce qu'on avait fait avant. Et moi, je voulais vous finir en fait la petite explication. Donc en gros, enfin elle sera plus poussée ici vu que je vais me mettre en semi-créatif, enfin en créatif, donc ça va être plus simple. Donc si on se souvient bien, on avait fait quelque chose, c'était poser un planteur. Voilà, et encore non, je vais revenir avant. J'avais fait un petit système pour fabriquer un. J'avais fait plutôt carrément un Steam Dynamo. Voilà, ici. Pas besoin de me donner autant, avec un ça suffit. Je vais vous montrer le craft. Voilà. Donc un redstone transmission coil qui lui est fabriqué avec de la redstone, du silver. Donc je vous rappelle, les lingots, c'est les 99%, 99% pour mes amis les Français. Ça va être facile à faire grâce aux minions qui ont farmé pour vous. Donc le redstone transmission coil est très simple à fabriquer. Du copper, c'est des blocs, des lingots basiques, donc je vous explique pas, redstone encore moins, et les copper gears, donc pour bien vous montrer que c'est tout simple, un lingot d'iron, un lingot de copper, donc du fer et du cuivre autour, ça va vous donner un engrenage en cuivre. Et avec tout ça, bon, on peut fabriquer le Steam Dynamo. Donc je m'en give un, voilà, je vais le placer. Donc maintenant, admettons que je voudrais alimenter par exemple un pulvériseur. Voilà, le pulvériseur, je le rappelle, il va me servir à pulvériser des minerais de fer, de ce que vous voulez, en poudre. Et la poudre donnera un lingot. Et ce qui est bien, c'est que un minerai pulvérisé va donner deux poudres. En gros, un minerai donne deux lingots. Donc ça vaut la peine de faire un pulvériseur, qui est très simple à fabriquer, mais bon. On n'en est pas là. J'en suis pas non plus à expliquer c'est quoi les entrées et sorties. Donc je sais bien que les entrées c'est censé être le bleu, mais bon, on s'en fout. Et voilà, on va relier tout ça avec un câble. Ça s'appelle le wire. Donc il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose, mais je n'ai pas encore regardé. Et les wires sont très simples à faire. Il faut de la laine et de l'aluminium. Donc il y a les petits et les gros. Les petits suffisent, je pense, pour commencer. Moi je vais faire les. Je vais quand même prendre les petits pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Voilà, donc le but est de relier ça à mon pulvériseur. Bon, le souci c'est que la sortie électrique est uniquement ici, c'est ce petit carré là, donc il faut qu'on bouge. Donc soit on peut faire comme ça, ou alors je pense que si on le pose directement, il va se mettre correctement. Par contre, s'il se met mal et qu'il faut absolument changer de place, il y a moyen de le faire avec attendez. Une crescent hammer, donc je sais pas s'il y a en français, et je vais vous montrer que c'est aussi un truc simple à faire, de l'iron, du fer, et un tin, donc de l'étain au milieu. Donc encore une fois, je m'en give une, et en cliquant du clic droit, et ben ça le fait bouger, ça le met correctement. Si je veux l'enlever, ben shift clic et on l'enlève. Voilà, je vais me retirer parce que ça j'en ai plus besoin, j'en aurais plus besoin non plus. Voilà, alors vous vous rappelez, il y a le moyen de faire fonctionner cette dynamo. C'est une dynamo qui fonctionne avec de la vapeur. Donc la vapeur, c'est de l'eau chauffée. Donc il faut faire chauffer l'eau avec du charbon. Hop. Je me suis mis du charcoal, c'est le même, mais bon, autant faire dans les règles de l'art. Du charbon, il va falloir de l'eau. Donc je vais me prendre un seau. Ça risque de déconner, donc je vais prendre un seau d'eau directement. Voilà, ça va déconner parce que je suis en mode créatif. Donc, admettons qu'on a une source d'eau à proximité.
Voilà, moi je vais me faire une source d'eau infinie, ce qui est plus simple à faire au tout début. Ce qu'on doit faire, c'est venir chercher de l'eau dans notre source d'eau infinie et venir la poser dans la Steam Dynamo. Alors si on regarde, un seau s'est mis. Imaginons que je reprends un autre, je viens le replacer et je peux le faire en tout 4 fois. Voilà, au bout d'un moment, on ne sait plus, il se passe plus rien quand on le fait. Donc il est rempli d'eau et je peux mettre du charbon. Donc la dynamo va se mettre en route et aller alimenter mon pulvériseur correctement. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on n'a qu'une machine ou deux, bah, ça suffit, on peut venir mettre du charbon et de l'eau manuellement, c'est bien. Mais quand on commence à avoir des trucs automatisés qui doivent fonctionner tout seul, c'est quand même chiant. Donc on va essayer d'automatiser les apports en eau et en charbon. Donc pour celui en eau, c'était simple, je pense que j'avais déjà fait dans mes vidéos, mais je vais le reprendre. Il fallait un aqueus, donc aqua, vous vous souvenez de ça, pour dire de l'eau en latin. Aqueus, soit accumulateur, donc l'accumulateur d'eau. Je vais encore une fois regarder le craft. Un seau, des simples vitres, donc du sable cuit, un cerveau pneumatique et du tin. Donc le tin, c'est simple, un seau, c'est simple. Le cerveau pneumatique, c'est très simple aussi. Il suffit d'avoir des blocs de glace de chaque côté, donc les baies de vitres, et de l'iron de chaque côté, et une redstone au milieu. Donc très simple à fabriquer aussi. Et la machine, il faut du steel. Je rappelle, le steel, c'est des simples lingots de fer fondus. Un lingot d'or ici, encore des blocs de verre, et c'est bon. Et tout ça réuni va nous donner un Aqueous Accumulator. Encore une fois, je me le give. Et on peut le placer un peu n'importe où. Donc si je le place par exemple ici, on va regarder, on va voir que l'eau s'accumule, mais tout doucement, ça capte l'humidité qu'il y a dans l'air. Et pour avoir un maximum d'humidité, autant carrément l'immerger. Allez hop, on voit bien là, ça monte vachement vite. Et il va falloir qu'on relie ça à ça. Alors l'eau, c'est un fluide. Donc on va utiliser des tuyaux spéciaux pour les fluides. Ce sont des fluiducts. Voilà. Et alors il y a deux sortes, il y a les transparents et les opaques. Ce sont exactement les mêmes, à part que les transparents, on peut voir ce qui se passe dedans. Avec un, j'irai pas loin. Voilà. Et maintenant, je vais relier ça. Je vais carrément le mettre bien en face pour faire plus joli. Voilà. Donc, on voit bien l'eau dedans. Hop. Donc, logiquement, maintenant, il va être alimenté non-stop en eau. Alors, maintenant, on va arriver au charbon. Alors, on va essayer de faire un sens inverse. Donc, on va imaginer qu'on a un coffre, donc un chest. Bon, j'en donne plusieurs. Je vais avoir un chest ici où je vais venir placer mon charbon. Toc. Voilà, je reprends celui-là. Je vais placer tout le charbon ici dedans. Donc, dès que j'aurai du charbon, du charcoal que je ferai cuire n'importe comment, ça va venir dedans. Et maintenant, il va falloir transporter le charbon jusqu'ici dedans. Donc, on reprend ces tuyaux-ci, mais version item et plus des fluides. Donc, ce sont les items dusk. Alors, encore une fois, ici, il y a quatre sortes. Il y a ceux-ci, donc les. Je vois que c'est bleu-gris là. Il y a deux sortes de bleu gris et deux sortes de bleu de jaune. Donc à chaque fois c'est le même, il y en a un opaque, donc un opaque, un transparent. Le transparent laisse voir les items à l'intérieur. Et même chose ici, un transparent, un opaque. Et la différence entre ces deux-là, c'est que ceux-ci sont lents et ceux-ci sont rapides. Donc ceux-ci, bon, c'est des crafts un peu plus chauds à faire, je trouve. Bon, ils prennent plus de temps. C'est pas que c'est impossible à voir. Donc il faut du tin, très simple, et là le plus chiant, Oh ça va, j'ai eu peur. L'élément le plus chiant, c'est le hardened glass, donc on regarde ce qu'il nous faut. Et déjà, il faut une machine spéciale qui s'appelle l'induction smelter, et il va falloir y mettre de l'opsy pulvérisé et du plomb pulvérisé. Donc il suffit de prendre notre pulvériseur et de placer de l'opsy dedans. De l'opsy, ça donne 4 poudres, je pense. Je pense que c'est ça, 4 poudres, donc 2 opsy font les 4, et un plomb ici à côté donnera 2 hardened glass. Donc en gros, avec juste un coup d'induction smelter, on fabriquait automatiquement, vu qu'ici ça en fabrique 6. Voilà, en faisant ce craft là, on en a 6 direct.
Avec les deux qu'on aurait dans l'induction smelter, on en aurait 12, ce qui suffit largement pour commencer, je pense. Donc, encore une fois, je vais m'en give. Voilà, et on va relier bêtement ça comme ça. Donc, très simple. Alors, on le voit bien, ça fonctionne pas. Et en fait, ça fonctionne pas parce qu'il faudrait activer ceci. Donc, je vais prendre. Enfin, je suis pas encore. Un levier. Hop. Je vais déjà le placer là. Bon, ça devrait pas aller de toute façon pour le moment. Donc, en fait, si on regarde bien un petit peu ce qu'il y a sur ce truc-là, sur le connecteur. Bon, je vais l'appeler comme ça. Je sais pas ça a quel nom. On pourrait imaginer que ça, c'est une flèche. Donc, si c'est une flèche, ça va dans ce sens-là. La plus petite, c'est la pointe de la flèche. Donc là, ça dit que le connecteur, les objets sont solides dans ce sens-là. Et ici, même chose. Donc là, vous devez le voir, il y a déjà un bug. C'est que ça devrait sortir et rentrer. Donc celui-là, il est bon. Par contre, celui-ci, il faut le faire sortir. Et pour le changer, bon, on reprend notre clé, notre outil à tout faire. Et on fait un petit clic droit dessus. Donc un clic droit, ben, ça met la flèche dans le bon sens. Si on clique encore, ça le coupe. Ça le coupe si, par exemple, on aurait eu un coffre au-dessus et qu'on aurait voulu faire ça sans que ça se connecte à celui-ci. Mais voilà, là il y a une utilité de le couper. Mais bon, ici on n'a pas l'utilité, donc on le remet dans le bon sens. Et si on fait ça, merde. Hop, pas autant. Je vais en mettre juste un. Voilà. Si je l'active, on voit bien notre charbon tout seul qui part. J'en ai plus ici. Et il va arriver dans le Steam Dynamo, donc on va bien voir qu'il va se mettre ici. Pouc! Voilà. Du coup, ça c'est une méthode d'approvisionner automatiquement le Steam Dynamo, donc il n'y aura qu'à mettre un coffre à un endroit, et ça sera alimenté automatiquement. Alors, pour pousser un peu les choses un peu plus loin, ce qu'on peut faire, c'est. Je pense que si on le casse, ça s'enlève, donc le plus simple c'est quand même mettre un levier, mais il y a une autre technique, c'est de lui mettre un cerveau pour lui dire qu'il n'y a pas besoin de levier. Donc on se souvient, c'est les cerveaux pneumatiques. Voilà, c'est ça ici. Rappel du craft, de la simple vitre, de l'iron et de la redstone. Des matériaux très simples. Donc, je m'en give déjà un stack complet. J'en aurai besoin de pas mal. Enfin, non, il n'y aura pas besoin de pas mal. Il y a besoin dès qu'on veut faire des petits trucs un peu plus spéciaux. Donc, je vais cliquer ici. Donc, je lui ai donné un cerveau. Il faut bien se mettre sur. Pour aller dessus, sur un endroit où il n'y a pas de stuff. Et on fait un clic droit dessus. Là, j'obtiens quelque chose, donc ça, j'y reviendrai plus tard, on s'en fout. Et en fait, si on clique ici, là, c'est la façon de comment doit fonctionner. Enfin, est-ce qu'il fonctionne avec un levier? Donc, si on clique dessus, normalement, ici, ou là, non, il faut un signal redstone. Donc, le levier donne un signal redstone, et ça fonctionnait. Ici, ça demande un signal léger, donc je connais pas trop la différence entre les deux, mais je sais bien que si on veut pas du tout de signal, on fait ça. Donc, il reste non-stop activé comme ça. Donc du coup si je remets un charbon, hop, il va partir direct. Voilà. Donc, vous savez bien, on est dans l'automatisation. Et moi, ça me fait chier d'avoir du charbon qui vient ici automatiquement. Donc j'aurais bien aimé pouvoir, par exemple, crafter moi-même du charbon. Donc ce sera pas du charbon comme ça, mais ce sera du charcoal. Donc celui-là, je le dégage. Et vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vite regarder comment est fabriqué le charcoal. Hop, suffit de faire cuire du bois, des bûches de bois. Donc, vu qu'on est en mode électrique, on va se faire un four électrique. Donc, furnace, c'est un four en anglais, c'est comme ça que ça se dit. Alors, ça c'est ceux de Minecraft de base, on s'en fout. Electric Furnace qui vient de Galactic Craftcore, mais moi je l'aime pas trop. Nether Furnace, bon, il faut vous dire, c'est peut-être un truc simple à faire. Le Nether Furnace, ben, il faut aller dans le Nether, donc c'est pas si simple que ça déjà. Et ici on a notre Redstone Furnace, donc on va regarder ce que c'est. Ah, merde. Voilà, donc il faut un signal. Une poudre de Redstone, des briques, donc les briques c'est simple, il faut de la. 4 briques, et les briques on les fait en faisant cuire de la clé, donc la clé c'est de l'argile qu'on trouve dans les ruisseaux, dans les océans, etc. Hop, les on met 4 briques, ça nous fera des briques. Voilà, le machine frame qu'on a déjà vu tout à l'heure, j'y reviens pas. Le redstone reception code, donc c'est la même chose que le transmission là, mais avec du gold au milieu.
et du copper de chaque côté. Donc encore un truc assez simple, donc un peu plus de temps à passer dessus, mais c'est très simple à crafter en matériaux. Et voilà, donc je l'ai présenté. Hop, pas besoin de 64 coffres de four, mais bon, ça ira. Donc j'ai placé mon four ici. Je vais aller l'alimenter sur le circuit électrique. Bon, le top, c'est de cacher les fils électriques, hein. Faire ça en souterrain, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que tu fonctionnes? Oui, tu fonctionnes toujours. Voilà, on voit bien l'énergie qui montre ici. Donc, des RF, c'est du redstone flux, des flux de redstone. Et je suis censé mettre du bois. Wood. Donc, je prends n'importe lequel, celui-là. Un stack, ça fait encore beaucoup. Et je vais en placer un pour commencer. Voilà la pluie. Hop, jour. Et on retire la pluie. Voilà, donc j'ai mon charcoal qui est ici. Donc je peux très bien le prendre et l'amener dans le coffre automatiquement. Donc en gros, je viendrai après avoir été récolté plein de choses, prendre plein de bois avec mes minions. Je viens ici, je place tout mon bois ici. Ça va faire plein de charcoal. Et une fois que c'est fini, bah, je viens le chercher, je viens le placer dedans. Mais bon, on a vu le système de tuyaux, donc pourquoi pas encore en profiter. Donc on voit bien ici, tout le tour ici, c'est une espèce de orange. Donc si on regarde bien ici, le orange c'est bien là, donc l'orange c'est la sortie, le bleu l'entrée. On peut changer en faisant comme ça, je le rappelle. Donc, je veux faire une autre sortie, ben, je peux aussi. Ou si je veux carrément tout enlever, mais non. Je vais laisser tout en entrée comme c'était. Donc je sais bien que ça c'est une sortie, je reprends mes items dusk que je connecte. Voilà, donc ici c'est censé sortir de là, en partant par là. Et ici c'est censé arriver, donc même chose. On change le sens. Alors, j'en reviens juste vérifier. Voilà. Donc, il n'y a pas eu besoin d'activer ça ici. Et ça, c'est juste dû au fait qu'apparemment, cette machine-là pousse les objets dès qu'il y a quelque chose de où il peut le pousser autour. Donc, je vais revérifier. Hop, ça c'est sortir. Non, tu veux pas sortir? Il ne veut pas sortir, donc je vais remettre mon cerveau dedans. Attendez, avant d'activer le cerveau, je vais regarder ce que là. Je l'ai fait tourner, donc maintenant c'est l'arrière. Donc l'arrière, je le mets en sortie. Bon, ça va pas. Donc je vais aller ici. Je mets ignorer le signal de redstone. J'ai pas l'impression d'être derrière. En fait, ça se peut. Ouais, je me trompe derrière, je pense que c'est celui-ci. Ouais, du coup, je ne sais pas. On va refaire un test. Donc, j'ai désactivé ce truc-là. Hop, ouais, en fait, ça va bien. Donc, il pousse bien les éléments lui-même. Donc, voilà, ça arrive dans le coffre et puis c'est automatiquement renvoyé ici dedans. Bon, je pense que si on a un stack complet de charbon. Enfin, si y a un stack complet de charbon, ça restera dans le coffre. Voilà. Donc, maintenant, vu qu'on est encore dans l'automatisme, j'aurais bien aimé que le bois arrive automatiquement dedans. Pas besoin d'aller charger chaque fois ici dedans. Donc, admettons encore que j'ai un coffre où je vais placer mon bois. Ou ceux qui connaissent pas les machines, et juste à poser leur bois. Genre, je fais une maison, un coffre au-dessus, et tout ça, je fais ça dans les souterrains. Ça pourrait, enfin, dans les caves. Et ben, tout le monde, mes amis, pourrait venir mettre leur bois ici dedans. Donc, même chose. Oh, relié à la machine, il faut une entrée du coup en face, mais on ne saura pas. Donc je vais contourner. Voilà, j'exagère bien pour bien voir qu'on contourne correctement. Et là, vu que c'est une sortie en orange, je vais devoir la mettre en bleu. Donc on est bien sur la droite. Voilà, c'est bien bleu. Alors ici, c'est comme tout à l'heure. Hop, un petit cerveau dedans. Une place vide ici et on lui dit pas de signal comme ça. Si je place du bois, voilà, il va automatiquement aller ici dedans, qui après, une fois transformé en charbon, ira dedans et puis ainsi de suite. Voilà, donc très facile. On a notre petite maison comme sur mon let's play où j'ai un coffre, on met tout le bois comme ça et pouc, là tout le stack va partir, il va les cramer. Donc il faut le temps avant que ça aille, mais bon, on revient encore au petit. Moi, je veux tout automatiser, donc ce serait bien d'avoir du bois qui arrive automatiquement dedans. Et là, on arrive à un truc spécial, c'est que, imaginons qu'on utilise par exemple des saplings.
Un seul P. Voilà, je vais prendre des oak saplings. Voilà, imaginez que quand je vais miner, bah, hop, j'ai des saplings. Et ben voilà, je me dis, je vais faire un petit truc, un mini truc à arbre. Je fais exprès 3 sur 3, je vais expliquer pourquoi après. Mais à part que je l'ai mal mis, autant faire rectiligne. Voilà, et alors, je planterai mes arbres comme ça, et de temps en temps, quand j'ai des os. Donc, je vais aller tuer un squelette, j'ai récupéré 2 os. Là, ça m'emmerde parce que ça. Voilà, ici, ça ira. Je transforme mes os en poudre d'os. Là, je vais le remettre en créative. Voilà, je viendrai. Bien sûr, ça ne va pas. Voilà. Et pour pas miner ça automatiquement, ou alors laisser la nature faire, on va mettre une machine devant qui va couper les arbres. Donc, la machine, c'est un harvester. Je pense que ça veut dire genre bûcheron, machine coupeuse, je sais pas quoi. Donc le harvester, je l'avais déjà mis dans la vidéo, je pense. Voilà. Oh, j'ai pas regardé le craft avec vous. Donc voilà, pour faire ça, là c'est aussi un craft pas non plus compliqué, mais plus ou moins chiant, je vais expliquer. Mais bon, c'est quand même le but du jeu, c'est de réfléchir un petit peu, c'est de regarder différents crafts. Le plus dur, c'est de savoir tout ce qui est possible de faire. Voilà. Et de connaître un petit peu les différents crafts. Donc là ici je vous dis c'est le harvester, donc notez-le, c'est ça qu'il faut pour couper du bois. Et si on regarde ce qu'il faut, il faut des plastic sheets. Et donc les plastic sheets, eh ben, c'est simple. Déjà on va regarder combien il nous en faut. Il nous en faut que 2. Pour faire 2 plastic sheets, donc si ça en fait 4 directement, donc avec 4 raw plastiques, eh ben, ça nous en fera 4, donc assez pour faire le harvester. Et pour faire du raw plastique, il faut faire cuire des rubber bars. Donc 4 rubber bars qu'il nous faudra. Et pour avoir des rubber bars, il faut faire cuire des, ici, des raw rubber. C'est celui-là le plus simple à trouver, des raw rubber. Et des raw rubber, on les trouve sur des arbres. Donc, hop, c'est cet arbre-ci. Voilà, donc si on passe dessus, on voit bien rubber wood. Et quand on le coupe, on obtient déjà le bois, et en plus de ça, on obtient des rubber, je sais plus quoi là, qui permettent de fabriquer des rubber bars qui fabriquons, etc. etc. Voilà, vous m'avez compris. Donc on revient au harvester. Je m'en suis gif, ça va pas. C'est pour ça que je voulais faire. Hop. Donc ça, on a vu. Ça, un shear, donc c'est pour tailler les moutons, donc vous devez savoir c'est quoi aussi. C'est très simple. 2 iron. Il faut 2. Du gold, un reception coil, on a déjà vu aussi comment il fallait. La machine frame, on avait déjà vu aussi, donc du steel, de l'or et des baies de vitre. Par contre, ici, là, ça devient plus chiant, c'est de l'invar. Donc, on regarde, il va nous falloir 2 sticks, n'importe, en bois, et 3 lingots d'invar. Alors, comment on fait de l'invar? C'est pas du tout un matériau qu'on trouve en sous-sol, mais pas du tout. Il faut le crafter soi-même. Donc il faut déjà faire cuire, c'est le truc le plus simple, de la poudre d'invar. Donc la poudre cuite devient des lingots. Et si on regarde comment fabriquer la poudre, eh bien c'est simple, il faut bêtement en craftant, dans sa table de craft, 2 pulvérisettes iron. Donc on se rappelle, le pulvériseur en mer, un minerai va donner, un minerai d'iron donnera comme ça 2 pulvérisettes iron. Et même chose avec du ferrous métal. Le ferrous métal est un peu plus chiant à trouver, mais bon, si vous faites des petites carrières avec vos minions, vous en trouverez assez pour faire le harvester. Voilà, donc on a vu tout ce qu'il nous fallait. Je peux me le regive. Et alors, le harvester va couper le bois sur un carré devant lui de 3 sur 3. Donc, si je le mets au milieu, il va venir couper 3, comme ça, 1, 2, 3, sur 1, 2, 3. Voilà. Il y a moyen de l'upgrader, donc ici, par exemple, si je veux faire, allez, on va dire 10 sur 10, je vais prendre, donc on tape upgrade, là j'ai toutes sortes d'upgrades, donc si je fais un upgrade avec du lapis en matière de base, je vais juste augmenter mon rayon de 1, donc je ferai 4 sur 4, et moi je voulais le passer à 10, donc je vais prendre 1 de 9, vu qu'on... Ah non, non, ça sera plus que 10. Donc on verra après.
Moi, de toute façon, ici, je commence à l'envers. Donc, vous allez devoir commencer dans le sens inverse auquel je suis en train de vous montrer. Là, c'est vraiment pour bien vous faire comprendre, à ceux qui ne connaissent pas, à quoi servent les différentes machines et ce qu'on veut faire automatiser. Voilà. Donc, je vais regarder l'upgrade qu'il me faut. Ici, il faut 3 diamants, 3 rouleaux plastiques. Les rouleaux plastiques, on se souvient, il fallait les rubbers qu'on cuisait, c'était bon. De la redstone et une pépite d'or. Une pépite d'or, on fait une bête à lingot, on obtient 9 pépites d'or. Voilà. Donc ça, je m'en give un aussi pour commencer. Et je peux venir le placer ici dedans. Donc voilà, j'augmente le rayon de... Logiquement, ça serait 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, mais je ne sais plus. Donc, le top aussi, c'est qu'une fois que cette machine-là va couper, donc imaginons on n'a pas encore l'upgrade, c'est que si je relis pas l'électricité, ça n'ira pas. Encore une fois, je vous dis, je fais tout en apparent. Le top, c'est de faire ça en souterrain. Voilà. Ah, bah regardez. Il coupe tout le bois, tout seul. Voilà. Et alors, tout vient se mettre ici. Donc, j'ai récupéré les pommes, les saplings et les... Allez. Attendez, je vais faire pousser un lard. On va essayer d'épuiser tout ça pour bien montrer que... Ça pousse pas tout seul. On va mettre le jour en attendant. Voilà. Et là, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est carrément connecter ça jusqu'au coffre. Mais bon, le souci, c'est que si je connecte ça ici, tout va passer directement ici dedans. Donc, ce serait bien de passer par un coffre intermédiaire. Par exemple, je vais le mettre carrément ici. Voilà, je vais replacer un ou deux saplings. Je vais en mettre un pour commencer. Je vais le faire pousser. Voilà, je vais regarder dans le coffre. Et comme par magie, tout est ici sauf les saplings, comme par hasard. Voilà, il y en a qui sont mis. Donc c'est nickel. Et ce qu'il faudrait, c'est faire sortir ici le bois, vu qu'on était censé mettre le bois ici, et uniquement le bois. Le reste, il faut le dégager. Donc, on va ressortir nos items dusk. Hop, on connecte tout. Voilà. Je vais changer ça pour aller dans le bon sens, aller par là. Je vais mettre le cerveau pour programmer tout le truc. Voilà. Je retire ça, je me mets sur une case vide. Et je clique dessus. Donc je vais pas faire ça directement, ignorer le truc, sinon tout va partir directement. Moi je veux uniquement du bois. Donc c'était le oak wood, donc sur ma note bois ça n'ira pas. On va le whitelister. Donc le bois je vais le mettre ici. Donc il sait bien maintenant que j'ai placé du bois dans la liste. Et on le place en whitelist. Donc ça veut dire qu'on a whitelisté ce qu'il y a ici. Donc en gros uniquement ce qu'il y a là va pouvoir passer. Donc si j'active, il n'y a que le bois. Oakwood, ça devrait aller. Voilà, j'ai un peu foiré le truc, mais bon. Donc j'ai replacé un peu de sapling. Hop. C'est ça. Ils veulent pas pousser. Voilà, là on voit bien maintenant que parfois ça bug ainsi, il faut recommencer, il faut bien faire ça dans l'ordre. Et il n'y a bien que le bois qui part, les saplings restent ici. Les pommes normalement aussi, si on avait eu. Hop, je reviens faire pousser une... Enfin, avoir une pomme. Soit, je sais bien que les pommes resteraient là. Et on a bien que le bois qui arrive ici. Le bois, lui, est automatiquement renvoyé ici dedans. Alors, ce qui est bien, c'est que si je ne veux pas, par exemple, surcharger le four, c'est venir ici, aller
dans le cerveau et dire de n'envoyer que... Hop. Un à la fois. Au moment où il envoyait un stack à la fois, donc ça permet d'envoyer beaucoup en une fois. Et ici, normalement, ça va vraiment envoyer que un seul. Dès que j'aurai du bois, parce que là, j'en ai plus. Allez. Voilà, le bois va venir ici. Hop, il va arriver là. Là, il est déjà parti. Celui-là aussi. Voilà, et ça va vraiment partir maintenant un par un. Voilà. Si on avait laissé 64, tout serait parti en une fois. Alors, ce qui serait bien, puisque ici on regarde et on voit qu'il reste tout ça, c'est déjà les pommes à la limite, ça, on va les prendre, on les prendra à la main, on va considérer qu'on fait ça, on pourrait faire un autre système de tri, on ferait un autre tuyau qui partirait par là pour les pommes et un autre tuyau par là pour les saplings, pour encore bien vider ce coffre là, parce qu'une fois qu'il sera plein, ben, il va s'arrêter ou tout va sortir. Et maintenant, j'aimerais bien c'est faire un truc automatique de plantage de saplings. Donc, si je prends les saplings ici, ils devraient venir automatiquement là. Et pour ça, il faut qu'on utilise un planteur. Un planteur, il y a un planteur ici. On va regarder comment il faut faire pour le crafter. Donc, plastic sheets, on les a vus tout à l'heure. Ça, on a vu tout à l'heure aussi. Un pot, le pot, c'est tout simple aussi, c'est trois briques. Des pistons, du copper et redstone reception coil. Donc j'y reviens plus, c'est des crafts qu'on a déjà abordés. Donc il suffit de chercher un peu si vous ne savez pas. Comme je vous disais, le plus dur c'est de savoir quelle machine fait quoi. Et ici, je vous les ai dit, vous avez qu'à noter planteur égale planter les saplings, etc. Donc voilà. Et alors lui, en fait, si je le pose à un endroit, il va normalement planter, donc si on regarde le trou, il va planter comme ça ici. Si on le met comme ça, je ne pense pas que ça va aller. Donc je vais faire un test ici, je vais directement me raccorder au circuit. Je vais mettre un rubber sapling. Donc ça ne va pas. Hop, si je l'enfonce que de un bloc. Je vais refaire ça du coup. Hop. Voilà, il me le plante pas non plus, donc c'est pas assez profond. Donc c'est bien comme je le disais, pardon. Donc c'est 1, 2, 3, vu qu'en fait il va planter aussi la même chose, la même superficie, mais autour de lui cette fois. Donc 1, 2, je viens placer le planteur. Alors par contre ici je dois repasser par le souterrain, je vais passer par là, pour le raccorder. Voilà, je vais pouvoir... pardon. Me prendre de la dirt. Hop. Voilà. Et si je viens placer mes saplings ici dedans, hop, ça va les planter automatiquement. Bon voilà, on est limité en taille. Ça c'est parce qu'on n'a pas mis le grade. Donc ce que j'aurais bien aimé faire, c'est déjà agrandir les zones. Donc merci, je casse pas ça, ça n'ira pas. Donc ce que je vais faire, c'est vu que j'avais fait un upgrade de 9, je vais imaginer que c'est 9 plus 3, donc c'est un rayon, c'est pas la taille totale, ça ferait 12. Donc logiquement, je suis censé me déplacer de 12 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, par sécurité, je vais reculer de 3 blocs. 1, 2, 3. Voilà, je vais placer mon planteur ici. Du coup, il faut que je le raccorde. Ça, je vais faire ça ici. Donc, on va laisser nos tranchées. On fera les tests avec les tranchées, tant pis. Je vais me raccorder à l'électricité ici. Voilà, donc monsieur s'est mis en route, je vais lui mettre un sapling et il est venu le planter juste là. Je vais le remettre encore un. Voilà, il s'est mis à côté. Donc,
Je vais mettre tout ce que j'ai là, même les trois là et celui-là aussi. Voilà. Donc, normalement, il était censé en mettre un ici. Donc, si je mets un bloc de terre là, il devrait le planter. Même chose là, comme ça. Voilà. Par contre, ça va pas plus loin. Donc, je vais placer mon truc de neuf. Voilà. Normalement, il va planter partout autour. Oui, ça va relativement vite. Merde, j'ai trois trucs, trois petits intrus là. Alors pourquoi? J'en ai déjà plus. Mais si j'ai encore ça. Ce que je vais faire, c'est que je me give des saplings. Des oak saplings, voilà. Plusieurs stacks. Pour bien montrer le bazar. Le rubber, non. Bon, tant pis, il y aura du rubber. Non, ce n'est pas un champ de cannabis. Voilà, donc on va compter pour être bien sûr. Normalement, ça devrait passer à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc ça rajoute. Ouais, ça augmente le rayon de 9. Donc, vu qu'avant, c'était pas 3, c'était un rayon de 1. Voilà. Donc, vous vous souvenez, donc un bloc de chaque côté. Donc plus 9, ça fait bien 10. Voilà. Donc je vais pas refermer le trou volontairement maintenant, juste cette ligne ici, parce que ça j'en ai plus besoin. L'électricité c'est fini, on est raccordé. Voilà. Par contre, t'es censé planter, mon gars. Bah, j'ai plus, j'en ai plus. Ouais, déjà des arbres qui poussent. Alors, là maintenant le souci c'est que le harvester ici n'est plus du tout bien mis. Il devrait vraiment se mettre juste devant. Donc je vais déjà faire ça. Je vais le retirer. Ça je vais le faire sauter aussi. Je vais remettre mon harvester. Comme ça il faut le mettre par derrière. Voilà. Normalement il n'est pas raccordé donc je vais le raccorder mais en passant par ici. Voilà, monsieur va se mettre en route et il devrait couper les arbres. Alors je vais vite remettre mon coffre là derrière. Hop. On va raccorder de nouveau tout ça. Alors ici je peux. Ouais, je peux fermer. Alors, item dusk. Voilà. Notre manivelle pour faire tourner le truc. Un petit cerveau pour qu'on l'active automatiquement. Oups. Donc j'ai déjà mis. Voilà. Et il fallait faire une whitelist. Donc on avait du oak, whitelist. On ignore le signal pour qu'il s'active tout seul. Et alors ici on avait du oak, mais on aura aussi après du rubber. Vous vous souvenez qu'on avait du rubber qui était planté. Donc il faudra, une fois qu'on aura, dès qu'on aura du bois de rubber, venir le prendre et le mettre dans la whitelist ici. Donc on va le faire, ne vous inquiétez pas. Alors pourquoi lui ne fonctionne pas? Ah oui, il ne fonctionne pas parce que pour le moment il n'a pas d'upgrade et il ne fonctionne que sur 3 devant lui. Donc hop 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 hop. Et il n'y a pas d'arbre. Donc il faut aussi un upgrade. Donc on va lui prendre exactement le même. Celui en diamant. Hop, je monte un. On va pas revenir sur le craft maintenant. Je le place et normalement il a réussi à choper toute cette zone là. Et il est censé fonctionner. Alors peut-être qu'il bug parce qu'il n'y a pas de truc ainsi devant. Alors je ne comprends pas. Casser. Je me serais trompé, j'aurais mis leur un planteur, je sais plus. Alors pourquoi il ne fonctionne pas? À chaque fois j'ai un petit souci. Je suis bien connecté. Ah voilà. Et tout va venir ici dedans. Et comme on avait programmé, il n'y a que le bois qui va partir. Et normalement le rubber lui restera ici. Les pommes aussi.
Et les petites gouttes de rubber aussi resteront ici dedans. Alors on a du sapling. Donc voilà, on a une pousse automatique. Il n'y aura qu'à venir de temps en temps prendre le sapling ici. Comme ça. Je vais le mettre là dans le coin. Et revenir ici. Le poser. Et du coup, ça sera automatique. Le bois va pousser. Il sera planté automatiquement. Le bois va venir ici. On va le transformer en charcoal ici. Et ça retourne dans ce truc qui nous fabrique de l'électricité, qui alimente tout en électricité. Donc on a de l'eau automatique, on a du charbon qui arrive de manière automatique. Et on va essayer de faire un petit truc en plus, c'est faire en sorte que les saplings viennent se mettre tout seuls dedans. Donc on va essayer de finir rapidement parce que ça devient vraiment long. Donc c'est pour ça que j'avais pas rebouché ici. Voilà, je vais casser comme ça en dessous. Je vais me raccorder en dessous du coffre. On va passer en souterrain. Voilà. Donc niveau entrée, on n'a rien à faire. Je vais reboucher vite fait tout ça. Voilà, ici j'ai rien à reboucher. Et je vais aller lui placer un cerveau. Lui changer le sens pour qu'il dise que ça soit une sortie. Voilà. Et dans la programmation du cerveau, je vais lui dire de ne prendre que les différents saplings qu'on a dedans. Donc on a du oak. Pour moi, on a que du oak. L'autre n'est pas. Le rubber est là. Voilà. Donc je vais mettre le rubber que j'ai déjà, tant pis. Et du oak dedans. On le whitelist. Je le laisse en stack de 64. Et on ignore le signal. Du coup, le rubber qui va arriver va aller directement dedans. Regardez, hop, voilà, il est parti. Il s'en va par là. Donc, normalement, t'es censé planter ici, mon gars. J'utilise ma poudre d'os. Je vais bien faire pousser des arbres du fond. Bien montrer que ça va aller chercher jusque dans le fond. Bien de mettre en route. Bon alors j'ai pas expliqué tout ça, mais bon c'est pas un tuto de mode, c'est plutôt un tuto de comment faire un certain procédé. Donc là je l'ai fait en immense, on pourrait vraiment raccourcir ça, on pourrait vraiment prendre ça et venir quasi le mettre contre. Ce coffre-ci en fait il sert, ouais, il sert quand même, comme ça on peut venir chercher le charbon dedans, mais on peut raccourcir ça aussi. Ouh, pardon. Ouh. Ce coffre-ci, à limite, tu pourrais dégager parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Le poids arrive, il vient dans le coffre et il repart automatiquement. Donc, du coup, on aurait pu avoir ce système-là vraiment collé à ça et ça collé à ça là-bas. Il y a moyen de faire très court. Alors, rubber, il n'est pas parti. Pourquoi? Parce que je l'ai pas mis en whitelist, donc je vais le mettre. Et du coup, il est censé pas. Voilà, il est parti. Soit. Donc, voilà, on a terminé après un très long épisode de presque 43 minutes. Enfin, de presque 45, parce qu'on a passé les 43 minutes. Et on a fait un système automatisé de production d'électricité. Et du coup, maintenant, si jamais vous êtes en manque d'électricité, rien ne vous empêche de remettre des steam dynamo en plus. Voilà, bon, je vais en mettre 3. Va les mettre. Ah, je peux pas encore. Hop, donc on y est, on va essayer de faire un long épisode. Hein. Voilà, on raccorde tout sur les réseaux, on met tout correctement. Et de faire un petit truc. Comme ça, voilà. À la limite, pour faire plus joli, on peut dégager ça. Du coup, j'ai bien du charbon qui va arriver dans chaque, logiquement. En tout cas, au fur et à mesure des trucs, ça va le charger. Alors, je sais bien qu'il y a, on peut faire ça.
Donc si on regarde, ça fait danse, vacuum, round robin. Donc je pense que ça veut dire on va partager équitablement les... Pas les minerais, mais les... Le charbon, on va tester vite fait. Ouais, merde. En fait, j'aurais dû diviser le stack. Alors, comment ça va se passer? J'aurais pu aller jusqu'au bout. Voilà, donc vous voyez bien, il y a du charbon dans chaque. Maintenant, il n'y aurait plus qu'à alimenter les deux en eau. Et ça, c'est aussi très simple. On prend nos fluides 2 qui ont les branches comme ça. Et ils se mettent tous en route, ils vont produire tous de l'énergie. Et voilà comment on va produire de l'électricité en assez grosse quantité. Maintenant, ce qu'on peut venir mettre, c'est une espèce de batterie. Donc, hop. Je pense que c'est dans celui-là. Voilà, ici, il y a... ce sont des énergies cell. Donc ça, c'est un qui est uniquement mis en mode créatif. Ça, c'est en plomb. Lead, hardnet, redstone, énergie cell. Je sais pas lequel va stocker le plus quand tu fais ça. Donc, dim... Donc ici c'est 400K, 2000K, 10 mégas, 10, 50, 50 mégaflux, on le ça veut dire MF, je sais pas. Et si je le branche quasi n'importe où sur le réseau, hop, normalement elle va se charger. Faire ça. Et on voit bien que ça se charge. Et ce qui est bien, c'est que si jamais on a un ralentissement ici ou une coupure ou quelque chose qui pète, et bien ça va continuer, ça va venir puiser dans cette cellule. Voilà. Donc si ce tuto qui était vachement long vous a plu, n'hésitez pas à déjà vous abonner, à partager le truc et commenter. Donc je pense que mes prochains tutos de ce genre-là viendront sur cette map-ci. On utilisera ce qu'on a déjà fait. Et voilà. Donc ce qui serait bien, c'est de... Je sais pas. Je sais pas. On verra par après. Donc d'utiliser peut-être le sludge. Donc soit. C'est pas important pour le moment. On s'en fout. Du coup. Voilà. Allez, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à la partager, à aller voir mes réseaux sociaux aussi, Facebook et Twitter. Et voilà. Donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde.